Salut la team YouTube. Ouais, je suis désolé, pour une fois qu'on fait une VOD sur Dokkan Battle, faut encore que j'ai mon mug bitch avec moi. Un jour, je tenterai d'accorder un petit peu mieux les VOD et les mugs qui vont avec. Mais bon, hé, deuxième VOD de Dokkan Battle de l'année, c'est quand même incroyable. On a tenté notre chance dernièrement sur Broly, et bah il est temps d'aller tenter notre chance à présent sur Gogeta. J'en avais parlé lors de la VOD justement à vocation sur les tirages de Broly. J'ai énormément de ZLR, ZTUR et plein d'events, des Battle Road. J'ai chié d'événements de côté que j'ai pas farmé. Après ce que j'ai claqué sur la VOD de Broly, je suis remonté à 528 DS, donc ça tombe bien, il m'en fallait 510 pour pouvoir faire deux rotations sur ce portail là. J'ai prévu deux rotas au cas où. Après, si toutefois j'arrive à avoir Gogeta en une seule rota, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, dans ce cas là on gardera l'excédent de DS pour la P2 et ça me fera un petit apport pour continuer à farmer tranquillement. Donc après, forcément, au niveau du détecteur, au niveau du portail, donc le Gogeta je ne l'ai pas, le Trunks j'avais pu voir l'autre fois, je l'ai déjà, cette version là de Kid Gohan je ne l'ai pas, donc why not, pourquoi pas, ça fera toujours le catalogue de LR qui s'enrichit. Le métal couleur rendu je l'ai, mais pareil avec genre pas ou peu de doublons. Idem en ce qui concerne le trio Broly, Chillai et Lemo, donc je crois avec un doublon. Le Goku Migaté, pareil, pas ou peu de doublons. Celui-là, je l'ai avec un doublon. Ça, c'est 100% depuis longtemps. Ça, je vous en parle même pas. Et celui-là, encore plus. C'est un petit peu à cause de ces trois-là, justement, que j'avais été poule dans un premier temps sur Broly plutôt que sur Gogeta. Parce que bon, il y a un moment donné, tomber possiblement là-dessus sur les tirages garantis. Sachant que ce sont de vieux persos, pas forcément très utiles maintenant. Et que beaucoup doivent avoir avec beaucoup de doublons. On va dire que ça downgrade un petit peu la value du portail. Allez! Premier tirage, 30 DS, et on voit comment ça se passe. S'il tombe là pendant le premier cycle, à quelle que soit l'étape, hein, je pense que je m'arrêterai de toute façon au... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les nouvelles musiques. Et je m'arrêterai du coup à la fin du premier cycle si vraiment il y a moyen. Alors. Ah, le mixage des voix par contre est bizarre. Ah oui, c'est vrai, il y a les nouvelles animations. Eh mais c'est fou, hein. Donc ça, c'est une équivalence SSJ2, anciennement, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Ça avait l'air assez random, hein, comme animation d'invoque, hein. Ouais, ça l'est complètement. Attends, mon café qui refroidit. Oh! D'accord, ok. C'est. Ouais, non, non. On parlait d'unités qu'on a déjà toutes et tous avec suffisamment de doublons. Je pense que là, ça en fait partie. Hein. Ouais, non. Ah, ouf. Ah, bah attends, lui, je crois pas. C'est bête à dire, mais il me semble que ce Goku GT, il me reste encore. Attends, ouais, c'est ça. Il me reste encore des doublons à avoir sur lui. On va essayer de trouver un peu de positif. Bon, en ce temps-là, on va lancer la deuxième multi, le deuxième tirage, et on va voir ce qui se passe. À la vôtre. Hein. Vegeta de gauche, qu'est-ce qu'on en pense? On n'en pense rien. Non, je crois que c'est quand il est solo qu'il se passe vraiment des choses. SSJ2. Enfin, anciennement SSJ2. Ouais, donc là c'est pareil, à ce stade, ça veut tout dire et rien dire. Mais surtout rien dire. Alors. Pour l'instant, je vois rien qui tombe particulièrement du détecteur. Bon, après, c'est que le deuxième palier, donc on a le temps de voir venir. Non. Ouais, non, non, définitivement non. Là, je crois que le jeu, il est resté bloqué à de nombreuses années en arrière. Hein, parce que ça, ce message, s'il continue à me lâcher des trucs pareils, on va le voir souvent à chaque tirage. Hein. Allez, troisième palier. 50, j'allais dire 50 orbes. Oh, les 9 ans de BBS qui sont en train de me matrixer à donf, là. OMG. Hein? Alors, attends. Pas de musique et oui solo. Oh, le long Kamehameha, ok. Oh, oh waouh. Qu'est-ce que c'est que cet anime? Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? D'accord, en fait, c'est en gros, c'est l'ancienne animation Vegeto Blue, qui, enfin, c'est Whis qui retourne dans le temps, ça devient Vegeto Blue et compagnie, c'est la nouvelle animation, mais version... Why not? Mais version, du coup, DBS Broly. Excellent! Oh! Et ça le garantit, en plus! Voilà, je sens qu'il va encore y avoir des dingues. J'ai pu lire un petit peu quelques degrés de PLS sur la faille de rosée que j'avais récupérée sur les tirages de Broly. On vient à peine de commencer le premier cycle que on en est déjà à ce stade-là. Et on n'a pas fini la multi. Hein. Ah, qu'est-ce... Oula. Ouais, ouais, non. Alors, ça, c'était pas nécessaire. Ça, ça fait partie de ces choses que l'on dit dispensables. Ça va se terminer par quoi, là? Non. En tout cas, très chouette animation. Et... LR ?
C17 DBS 1T LR. C'est quoi ça? Mais attends, mais du coup, on est clair que ça fait 3 LR dans le tirage là? Alors bah c'est... Je crois que c'est... Attendez, mais c'est pas genre ma première multi-Twitter à 3 LR? Parce que celle-là, elle est quand même goldée, hein. Attends, mais c'est quoi ce C17 là? Ah mais d'accord, mais je l'ai pas lui. Ah non, non, mais d'accord, je vois lequel c'est, ok, très bien, mais je l'ai pas. Et El Famoso, voilà, bon bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, premier palier, troisième tirage, c'est une affaire qui roule, impeccable. Bon, on va finir tranquillement ce cycle, hein, voilà, et puis c'est tout, hein, on va terminer tranquillement, on va se dire qu'on aura été jusqu'au bout, et puis... Mais voilà, en tout cas, objectif atteint. Maintenant, tout ce qui va tomber, ça va être que du positif. Comment ça, Hideo Walida? Ah. Je l'ai entendu, mais ça a été cut. Oh, SSJ3 du coup, ok. Je fais des traductions entre ancienne et nouvelle animation. Mais c'est de la pluie du LR, hein. Quatrième LR en deux tirages, hein. What the fuck. Ok. Là, la grosse PLS... Pardon, excusez-moi, cinquième LR. J'ai vu des gens qui me disaient « Ouais, va pas poule sur Gogeta parce que le portail, il est vraiment pas généreux, la qualité, elle est pas là, le drop, il est dégueulasse, il y a des vieux persos dans le détecteur, machin. » Ouais. Alors, comment vous dire, est-ce que vous voulez qu'on en reparle, là, des 5 LR en deux tirages? Est-ce que vous voulez qu'on prenne 2 secondes pour réaborder ce problème-là? Qu'est-ce que c'est que celui-là, maintenant? Attends, il y a un Gohan Ultime AJ-LR, ce qui du coup fait ma deuxième multi back-to-back 3 LR, et en plus celle-là, elle était gratuite. Non mais attendez, mais c'est quoi cette unité? Mais je connais pas celui-là. Alors lui, je l'ai jamais vu de ma vie, hein. Mais alors, genre jamais, hein. Je connaissais pas l'existence de cette carte. Bah voilà, ça fait un LR de plus. Et c'est quoi le message derrière ça, le jeu, là? C'est genre, c'est bon, bébé, ça fait son temps, reviens sur Dokkan. Des fois, je me demande, hein. Il y a quand même de sacrés messages comme ça, hein. On va finir le cycle, hein. C'était le projet au départ. Oh putain. Ok, ça va. Ça m'a l'air d'être assez quelconque comme animation. Voilà, pas de Walida ou quoi que ce soit. Ok, bon, voilà. C'est bon. Peut-être que les pouces rouges vont s'arrêter à partir de là. Allez, à la vôtre, hein. Allez, voilà. Voilà, là maintenant, normalement, là, c'est bon. Là, on est revenu sur une multi qui correspond davantage aux commandes des mortels. Voilà, ça, c'est normal. Ok, très bien, ouais. Ouais, parfait. Normalement, ça veut dire que là, j'aurai aucun SSR si ce n'est le dernier perso du tirage et qui normalement devrait être un perso de environ 2016-2017, dans ces environs-là. Alors, pas du tout. Qui c'est celui-là? Enfin, celui-là, je connais le personnage, mais je connais pas la carte. Il y a un Dodorien Intel qui est sorti. Ah, d'accord. Ok, why not, why not. Je découvre des cartes, hein. C'est hallucinant tout ce que j'ai loupé ces dernières années, hein. Bon, bah ok, bah ça ramène quand même du new, hein. Bon, why not, hein. Allez, en 45, c'est quoi? C'est pas genre l'avant-dernier palier, ça? Il me semble. Ah, solo. Seul tout. Oh là. Oh, le long Kamehameha. Aikido Walida, le... Oh pff. Mais non. Alors, attends. Que je comprenne là, cette animation. C'est LR garanti ou c'est le LR de la célébration garantie? En l'occurrence, Gogeta garanti. Bon, lui, ce qui est intéressant, c'est que je m'en tape encore un et pas 100%, hein. Qu'est-ce que c'est que cette folie d'animation de Zinzito, là? Qu'est-ce que c'est que ce vieux Goku puits du cul? Bon, lui, je pense pas qu'il était dans les plans. Je pense pas qu'il était inclus dans le bail, lui. Troisième, histoire 2. Bah, tant qu'à... Non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est full nimp. Je me rappelle d'un commentaire qui disait sur la VOD Invocation de Broly. Franchement, tu dis dans ta VOD que t'habilles quand même un cycle complet avant de tomber un Broly. Estime-toi heureux, moi j'en ai fait 4, j'en ai eu aucun. Est-ce que la personne qui a laissé ce commentaire, ou les autres qui ont été dans la même direction que cette personne-là, maintenant que vous voyez ça, en dehors du fait que vous avez envie de vous pendre, de vous foutre en l'air, de m'attraper, de m'étrangler, c'est quoi votre sentiment? J'ai toujours pas fini le premier cycle, on en est à 2 Gogeta, j'en suis à 3 multi, à 3 LR, je sais plus moi à force, je sais plus. Là je constate, hein, je suis comme vous, hein. Je comprends pas plus, mais bah c'est là quoi. Le plan au départ, c'était juste cool. On a le premier Gogeta, on termine le cycle. Ouais, je pense que le jeu le voyait pas forcément tout à fait comme ça. Alors, normalement, là, on termine le cycle. Hein? On finit le cycle.
Pit Fighter Rosé, non Gohan Piccolo, ça donne des choses, ça. Je sais plus. Apparemment, ça donne des choses. Apparemment, ça a l'air de donner des trucs. On a entendu le Walida. Bon, après, le Walida, ça veut dire tout et rien avec les... Kakarot 3. Qu'est-ce que c'était que ça? Ok. Alors, ça donne quoi, ça, au final? On se termine sur quoi, là, précisément? Mais je suis... Je comprends pas, là. C'est... Singerie. J'ai plus les mots à force, moi. Fallait bien que ça arrive, on en a pas eu un seul depuis le début. Ah, pourtant c'est pas là-dessus qu'on se termine. Ah. D'accord. Ok, ouais, ok, ok, ouais. Ouais, ouais, en vedette célébration, ouais, t'inquiète. Eh mais attends. Lui aussi, c'est pas genre, il m'en manque un, il passe 100%. Eh, je pourrais tellement forcer comme un énorme sac, repartir sur une autre rotation derrière et continuer à braquer ce portail. Hein. Parce que mine de rien, j'en suis quand même à 11 LR sur un seul cycle. Le Trunks LR rendu qu'on voit juste là, il me manque un doublon pour l'avoir 100%. Le Goku 1T, il me manque un doublon pour l'avoir 100% également. Le couleur, j'ai pas vérifié, mais ça fait assez peu de doublons. Gohan, je l'ai pas. Et on est à deux doublons de Gogeta au total, deux exemplaires. Il y a la P2 qui arrive. Ouais, oh, il me reste une petite semaine pour refarmer correctement. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, à un moment donné, faut savoir se faire plaisir aussi. C'est rare que je vous propose des VOD sur Dokkan Battle, donc si on... Je crois que visiblement j'ai eu raison, hein, apparemment, hein, de ce que je vois. Hein. Voilà, encore. Je m'apprêtais à dire c'est quand même rare que je vous fasse des VOD sur Dokkan Battle, donc... pardon, excusez-moi si on pouvait kiffer un petit peu de temps en temps, bon, voilà. Qu'est-ce que c'est un petit craquage de temps en temps? C'est pas comme si je craquais à chaque portail, c'est pas comme si je vous faisais une VOD d'aucun invocation toutes les semaines. C'est pas comme si je dropais un autre métal couleur LR. Bordel, c'est le 12ème sur tous les paliers que je viens de faire, au secours. Pas de couleur mais de LR. Et le multi est pas fini. Il me faut un café, hein. Il me faudra un café parce que celui-là il arrive au fond. Oh là là, que bon, singerie. Alors ça c'est pareil, ça fait partie de ces choses dites dispensables. Oh c'est le AJ. Ouais c'est le AJ. Oh cool. Bah j'ai pas encore tous ces doublons à lui, donc bah why not, en vrai, nickel. Qu'est-ce qu'il me dit personnage obtenu? Ah mais oui, c'est le Trunks Scout, Boy Scout là, nul là. Allez ciao. Donc palier 2, allez, on reprend. Évidemment, dans mon esprit de gridance absolue, l'idée c'est d'aller chercher des doublons de Gogeta, mais si au moins je pouvais choper les derniers doublons de Goku 1T et du Trunks rendu... Bon, après, sur ce portail-là, Hideo Walida, ok, c'est cool, c'est les mots que t'aimes entendre. Mais, ça veut tellement rien dire, tu peux tellement tomber sur ton vieux crinin dégueulasse, ton vieux, je sais plus... Oula, ah non, d'accord, putain, j'ai cru. Enfin bref, tu peux tomber sur les vieux SSR tout clacos dont on parlait en début de VOD. Et donc là, ça va me donner quoi? Donc là on est sur la base de quoi? 3 SSR ou 1 LR, c'est ça je crois, quelque chose dans ce style. Oh, je suis complètement aux fraises hein, sur la signification des animations, c'est une dinguerie. Hein. Ou alors non, c'est un célébration. Perso du portail. Ah mais perso du portail, c'est peut-être mon vieux crinin tout clacos aussi. Ce n'est pas le cas, c'est le Trunks 100% qui tombe. Allez hop là. Ok, MRC, c'est tout bon, merci beaucoup. C'est bon, le cas de Trunks est réglé. Merci le jeu, Goku à présent. Et si tu veux bien, éventuellement, Gohan, Kid Gohan également, ce serait très très worse. Et pourquoi pas compléter Gogeta également, voilà. 13ème LR, hein, 13ème, 13ème. Hein, voilà. Bonjour. Je vais me faire détester par la totalité d'une communauté, hein. C'est insensé ce qui se passe là. C'est insensé, hein. Mais vraiment. Hein. Je suis navré qu'une telle démonstration de provocation comme ça arrive devant vos yeux aujourd'hui. Vous aviez rien demandé à personne, mais c'est comme ça, hein. Voilà, ça tombe. Il y a des jours où on maîtrise pas ce qui se passe. De votre côté comme du mien, hein. C'est... En attendant, ce deuxième cycle, il a un petit goût de premier cycle, hein. Ça se présente de la même manière, hein. Globalement. Surtout si le Gogeta tombe avant la fin de la multi. Voilà. Ok, donc Gogeta 2 doublons. Ça va se terminer avec quoi les histoires là? Un petit coucou? Oh, pff, oula. Oh ouais, ouais, ça aussi dans la catégorie dispensable, vraiment c'est top tier. Hein. Bon bah second doublon hein. Et ah oui, on n'avait pas encore franchi la multi gratuite. Bah allons-y. À ce stade-là, hein, autant y aller franchement. Bon. Ah, Vegeta de droite. Et y'a Trunks. Attends, y'a pas un bail? Oh non.
Ah non, il y a zéro bail. Hein. Non, il y a... Oh, voilà, ouais, d'accord. Non, ça va être le minimum syndical. Là. Ou pas. Ah, quoique, peut-être que si. Normalement, quand il y en a deux, c'est bon signe. Mais là, il y en a qu'un. Donc c'est quoi? C'est full random? C'est... Faites vos jeux, rien ne va plus. Mettez tout sur le rouge. Ouais. Bon, à mon avis, c'est pas là-dessus que je dois prendre un autre Gogeta. Hein. C'est pas là-dessus que j'aurai mon Goku 100%. Hein. Qu'est-ce que c'est que... C'est le Agi? Oh, c'est le vieux Golden Agi du cul. Oh, mon Dieu. Ah, lui, fut une époque, on aurait vendu nos mères hein, pour avoir des doublons de lui. Hein. Maintenant, quand on le voit, c'est... Ouais, salut, ouais. Comme beaucoup d'unités de sa génération, d'ailleurs, en passant. Hein. Il est vrai. Allez, on repart sur les tirages gratuits. Payants. Gratuits. Oh, pourquoi? Je vais me faire, mais c'est pas détester, les gens vont pas me détester à force, les gens ils vont me traquer, les gens vont chercher mon adresse, ils vont débarquer ici en force, par bus entier. Il va y avoir des charters de voyageurs complets qui vont débarquer devant chez moi, je vais pas comprendre ce qui va se passer en fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Wouah. Ok, bonjour, salut, troisième doublon. Oh putain, alors... Vous savez, c'était Trunks et Goku à la base que j'avais pour projet de 100%. Je demandais pas forcément le et l'air de la célébration des 9 ans. Après, nonobstant la joie de tomber là-dessus, je ne m'en plains pas. Hein. Mais... Ça fait quand même 3 failles de rosé dans la même VOD. Ça commence à se voir, là. C'est quoi? Je crois que c'est le 15e énerve qui te rend plein. Ah, bah voilà. Au moins, de temps en temps, voilà. Il se passe des trucs et à la fin, il y a une saloperie pour compenser. Watch out. Ok, on n'a pas fini le deuxième cycle, que c'est le troisième Gogeta. Quand je pense que je voulais m'arrêter à la fin du premier cycle. Quelle erreur. Eh ben, on va finir celui-là tranquillement. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais aller plus loin. Hein, voilà. Ah, Vegeta de droite. Mais Vegeta pas tout seul. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Ah, ça nous raconte Dalkeuf. Ok. Ça nous raconte que c'est une ulti du commun des mortels. Voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries directes, là? Ah, d'accord. Non, ok. Ok, c'est bon, tout va bien, tout va mieux. C'est bon, c'est ok. Rassurez-vous, reposez-moi votre sourire, reposez-moi votre pouce rouge, tout va bien. Tout va bien, c'est le vieux Trunk Steak, tout va bien. Allez, toi, toujours rien. Tout va bien. Tout va très bien. Voilà, parfait. Vous voyez, ça, c'est une multi sur laquelle personne de l'audience, là, ici, ne risque de l'AVC. Normalement, tout va bien. Donc là, il nous en reste plus qu'une. The Last One. The Last Ride. Allez, on se termine sur quoi? On a eu une fin de cycle tout à l'heure qui était quand même... Non, mais ça va, c'est bon. Là, les gens... Non, mais ça va, allez. Allez, ciao! Promis, j'ai rien demandé. Promis, j'ai rien fait. Hein. J'y suis pour rien, moi. Bon, bah, va être temps d'assumer jusqu'au bout, hein. Ce qui serait incroyable, c'est que là, il me lâche... il va forcément me lâcher, voilà, allez, vas-y, balance tout ce que t'as, il va me balancer le dernier Gogeta, hein, donc du coup, voilà, des Gogeta à 100%, donc. Et ce qui serait très drôle, histoire de se finir sur une bonne note, ce serait qu'il me balance le Goku également qui me manque, là, vous savez, histoire de 100% également. Ou éventuellement, un petit bonus additionnel qui me lâche le Kid Gohan Intel que j'ai pas... Écoutez, vu que le jeu a l'air de vouloir balancer tout ce qu'il a, j'en profite, je fais mes courses. Hein. Ah ça ne peut se produire que si Gogeta tombe avant la fin du tirage. Et ça a pas l'air d'être dans les cartons. Non, c'est pas dans les projets. Visiblement. Voilà. On en est là. Attendez, non mais il est pas 100% là, qu'est-ce que je raconte comme connerie ici? Il est 100% ou plus? Je sais plus, je suis perdu. Non, il est pas 100%, j'ai eu combien de doublons? Ah bah si, je l'ai en 5 exemplaires. Ah bah, au secours. Sans parler du fait que forcément pour pouvoir le monter 100%, donc ça veut dire qu'il y a eu un total de 5 fois le même drop du personnage, et que là je constate toujours 11 autres LR à l'écran. J'ai presque envie de dire, alors je suis désolé, ça va vous sembler une marque de provocation supplémentaire, mais j'ai presque envie de dire, c'est dommage que j'ai pas de quoi faire encore un autre cycle. Bon, à partir du moment où je pense que quand t'as le LR de la célébration 100%, est-ce qu'il y a encore un intérêt à y aller?
Non, je pense pas. Maintenant, est-ce que je surfe sur cette vague et je tente de retourner sur Broly, ou bien est-ce que je farm et j'attends patiemment la P2? Je pense qu'on va se montrer raisonnable et attendre la P2 hein, quand même. Hein. Je pense qu'il y a eu assez de provocations en une seule VOD. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller farmer tranquillement, récupérer toutes les médailles qu'il faut pour ce monsieur, faire une petite team autour, et puis bah kiffer ce que le jeu me donne. Hein. C'est ça que je trouve très drôle, c'est que Dokkan, je mets pratiquement plus les mains dessus en fait. Je suis vraiment devenu le joueur anniversaire typique en fait. Mais alors... Oh la régalade, la régalade. Ah oh, je vais montrer ça à mon fils, il va péter des plombs, mais ça va être incroyable. Bon, il va péter des plombs, oui et non, parce que lui-même a droppé Gogeta, donc voilà. Mais je crois pas qu'il l'ait eu 100% en deux cycles, il me semble pas. Hein. Pour une fois que la RNG du père arrive encore à battre la RNG du fils, j'ai envie de dire, on est encore bien. Bon mesdames et messieurs, écoutez, il est temps pour moi je crois de vous laisser là-dessus. Hein. J'espère malgré tout ça que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez de petites minutes devant vous, comme dame, n'hésitez pas à prendre le temps de faire un peu tous les trucs chiants de YouTube à base de commentaires, abonnements, pouces bleus, cloches, tout ça si c'est pas encore fait. Et à me dire un petit peu aussi comment se sont passés vous-même vos propres poules. J'imagine que certains parmi vous, vous vous êtes pas mal lâchés sur les deux. Là aujourd'hui, les questions de Gogeta, comment ça s'est passé de votre côté, les DS investis, le retour. Dites-moi un petit peu tout ça. En attendant, excellente journée à toutes et tous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.